Bonsoir à tous, enfin bon, on va dire bonjour à tous hein, car il est encore, voilà, il est 16h45 à l'heure où je vous parle. Donc la neige est encore là, alors évidemment elle s'est tassée, évidemment là je suis quand même en ville, donc la neige forcément elle disparaît beaucoup plus vite hein, sur les routes, il n'y a plus rien, avec le soleil sur l'église, sur le toit de l'église, il n'y a plus rien, sur beaucoup de toits, il n'y a plus grand chose, sauf sur les toits qui n'ont pas été soleil comme le toit de la mairie hein, que je monte actuellement. On va dire que voilà, ici par exemple il peut rester 6-7 cm parce que mine de rien, même si elles ne le font pas, la neige s'est tassée, hein, elle se tasse naturellement même sans qu'on marche dessus, voilà, ça c'est naturel. Mais en tout cas, dans les parcs, par exemple, c'est possible qu'il reste encore 7-8 cm. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que des averses bien plus nombreuses et bien plus intenses que prévu arrivent par la mer, enfin par la mer du Nord. Elles se rentrent dans les terres et elles prendraient pile ma direction. Ou du moins, au moins une partie, j'ai envie de dire, de ce limite front. Hein. C'est un petit front, en tout cas une belle ligne d'averse, on va dire. Voilà, c'est le terme le plus approprié, une belle ligne d'averse bien étendue. A priori, je m'en prendrai donc au moins une partie. Donc d'ici 18h, 19h, j'espère filmer. Hein. Ou peut-être même 17h30 d'après ce que je vois sur les radars, parce que ça peut vite descendre, attention. Ça descend vite tous les 5 minutes d'après ce que je vois. Bon, c'est à suivre hein, du coup, mes chers amis, et voilà. En tout cas, vu comment elles sont fortes, c'est possible que je me reprenne 1-2 cm d'ici ce soir, si ce n'est pas plus, hein, d'après les pires. Si je me prenais les pires averses, parce qu'il y a des averses où on atteint carrément les 100 mm par heure d'intensité. Vous imaginez, si je me prenais une intensité pareille, ou même, allez, admettons, avec l'assèchement, divisé par 3, 30 mm par heure. Ça ferait, enfin, ce serait une intensité de 21 cm par heure. Donc, si ça reste 15 minutes, par exemple, bah, ça ferait 5 cm. Bon, c'est un exemple, hein. Mais en tout cas, avec ces averses-là, ça blanchit vite. Et si elle est suffisamment durable, donc on va dire plus de 15 minutes, elle peut vraiment donner une belle couche. Allez, les nuages arrivent, la température en tout cas, elle baisse. Mais dommage, les nuages arrivent pile au moment où la température est censée baisser, donc ça va limiter la chute. Mais j'espère tout de même avoir environ 1, voire 0 degré à 18h. Ou en tout cas d'ici une heure. Allez, à tout à l'heure et puis j'espère avoir de nouveau de la neige. Ce serait une belle surprise parce que c'était pas prévu que ça tienne et enfin et encore moins que ça donne plusieurs centimètres. En tout cas ça c'est possible, mais en tout cas si je devais avoir plusieurs centimètres, ce serait une grosse surprise. Allez, à tout à l'heure.